Asian Kung Fu Generation, c'est le groupe derrière le deuxième opening de Naruto. Le morceau, c'est Haruka Kanata, et il figure sur le premier vrai EP du groupe qui sort en 2002. D'ailleurs, c'est le premier morceau de l'EP. Premier EP, oui, mais en vrai, ça fait 6 ans qu'ils existent, les gars. Faut remonter à 96, quand Goto rentre chez lui après une longue journée à la fac, quand de nuit, dans la pénombre, au milieu d'un couloir, il y a un gars qui l'attend. Donc là, Goto commence à flipper un peu, c'est quoi ce bordel? Mais non, en fait, c'est Kensuke Kita, un guitariste, qui voulait simplement s'assurer qu'ils allaient bien former un groupe ensemble. On ramène ensuite Yama à la basse et Ijichi à la batterie, qui était d'ailleurs dans le même club de musique à la fac, et le groupe est au complet. Bon, sans surprise, le premier EP là, donc qui sort en 2002, il va cartonner, notamment grâce au morceau Haruka Kanata, et notamment grâce à Naruto, faut le dire, ça va les propulser dans des millions d'oreilles occidentales. Et d'ailleurs, là, faut vraiment prendre conscience du truc, hein, genre, il y a Bad Omens, ou Thundercat, ont avoué que le morceau Haruka Kanata a figuré dans leur playlist et a été un moment une influence, d'une quelconque manière, pour leur musique. Donc on voit bien que leur influence, elle va dès le premier EP, au-delà de leur propre pays et au-delà de leur propre style. Bref, après ce premier EP, il y a un premier vrai album qui va sortir. Donc là c'est bon, hein, le groupe est signé sur une major et l'album, il va juste transformer l'essai. Les mecs savent pondre des classiques, ils ont trouvé leur patte, ils ont trouvé leur recette. Moi, ce que j'aime le plus chez eux, c'est leur delivery si sincère. Genre, ils ont vraiment une dégaine de full normie, en mode t'as l'impression que c'est 4 trentenaires qui sortent du boulot et qui vont juste faire de la musique dans un local. Et ils se pondent des morceaux si émotionnels et purs, c'est trop touchant. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je trouve que l'élément qui est central à cet effet-là, c'est la voix de Goto. Voilà, je saurais même pas trop expliquer comment ni pourquoi, mais il y a un truc si émotionnel, pur et honnête qui à chaque fois, moi, me transperce. Ça, c'était vraiment un de mes morceaux préférés du groupe et c'est en partie grâce à la voix. D'ailleurs, ce truc... Oula, j'ai des cornes de... D'ailleurs, ce truc ultra honnête dans l'apparence et dans le propos du groupe, ça rappelle vraiment d'autres groupes de punk rock japonais qui leur ont précédé. Et en fait, ça va même au-delà de ça. Je trouve que Asian Kung Fu Generation, c'est le groupe parfait pour faire la jonction entre le vieux punk japonais des années 90 et des groupes plus modernes qui vont arriver dans la suite des années 2000 et 2010. Par exemple, si on écoute un groupe qui était là un peu avant eux, comme Eastern Youth, on entend que Asian Kung Fu Generation sont totalement dans la continuité de ça. Puis si on écoute un groupe de la génération juste après, voilà, donc Asian Kung Fu Generation, on sent qu'ils ont écouté, poncé, ils ont baigné dans ce punk rock japonais des années 90, et on sent qu'ils font la jonction avec des groupes qui vont arriver un petit peu après, comme Kanabun par exemple. Par contre, ça c'est vrai, mais il n'y a pas que des influences japonaises chez eux, hein, loin de là même. Ils sont vraiment fans de musique occidentale, et notamment de rock occidental. Foo Fighters, Teenage Fan Club, mais s'il y a un groupe dont ils sont vraiment fans et ça s'entend, c'est sûrement Oasis. Ouais, c'est gros, mais c'est ça la musique. Bref, voilà, Asian Kung Fu Generation, un groupe immanquable de la scène rock japonaise, entre tradition et moderne... Non, attends. Figure de proue des openings d'animé, mais pas que, un grand nom de la scène japonaise rock du début des années 2000, voilà, des grands messieurs, respect. Asian Kung Fu Generation no